sortir accusait les ratons laveurs que je soupçonne avoir été son œuf. Mais quand cette voix va-t-elle mieux? Oui, vous pouvez changer un peu de sien. Oui, c'est ça. Faites de votre pierre, les petits. Alors, venez embrasser grand-père. Menace percée. Achevez. Les gosses ont toujours peur d'être achevés. Ta belle allure, petit papa Noël hybride. Père, dis-moi qui je suis. Les garçons, asseyez-vous. Nos vies vont changer un peu. Oh, c'est jamais bon. C'est très bon. Votre père et moi, on va essayer de revivre ensemble. Comme un groupe de rock dont les membres ont finalement besoin de fric. Waouh, tout le monde se retrouve sauf grand-mère et grand-père. Ah, je crois que ça va s'arranger. Tu vas pas au boulot, pas? L'amour doit rester à la maison avec vous et votre maman peut pas lâcher son boulot chez Google. Ils ont besoin de moi pour traquer les voitures sans conducteur qui deviennent folles. Oh, t'as encore brûlé un stop. Je ne m'arrête plus. Hey, j'ai bu un grand soda. J'avais dit prendre un petit. Oh, c'était juste 50 cents de plus. Jouons au jeu d'ici là. Maintenant, quelqu'un brandit un billet dehors de là. Bon, maintenant que tu es debout, tu peux faire ton numéro de jongleur. Hello, tu étais censé venir me voir aujourd'hui pour ta dernière injection anti-zombie. Oui, mais... Moi-même, je suis censé être en salle d'opération, donc je pense qu'on fait tous les deux l'école buissonnière. Mélissa, si tu veux que Miloustre devienne ton enfant, tu ferais bien de me l'amener pour cette piqûre demain. Mais docteur, il est bien plus intéressant comme ça. Je vois. Maintenant, admirez la majesté de notre passé préhistorique. Cette boucle d'oreille que j'avais perdue dans la télékinésie s'est retrouvée en Floride. Oui! Ce n'est pas un oui de quelqu'un qui écoute. Quoi? Moi? Oh, c'est dingue! Ben voilà, je savais. C'est censé être un moment pour nous. Tu visais ma match. Ben, tu me prêtes pas attention, tu fais un texto. Oui, juste pour me plaindre que tu ne me prêtes pas attention. Si je ne te prêtais pas attention, alors comment j'aurais remarqué que tu ne prêtes pas attention? Est-ce que je ne te prête pas attention? Ah! Oh, je croyais que cette fois les choses. Elles le sont, elles ont 4 ans de plus. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Oh. Salut, Matt, qu'est-ce que ça sent? Une grande bière et pas de femme critique. Ça alors? C'est typique de toi. Qu'est-ce que tu fous ici? Tu peux décider si je rends Milouz humain à nouveau. Je préfère même son odeur actuelle. J'ai de la viande qui a tourné dans notre congélo. Et j'ai le cœur qui bat à la chamade. Oh, vous deux, vous savez que c'est un mariage houleux. Maman, je dois savoir, une fois pour toutes, quel est le secret? Pourquoi es-tu restée si longtemps avec papa? Jusqu'à mes 8 ans, je croyais que c'était un gorille magique. Écoutez, la vie est rude, c'est dur de s'en sortir. Le seul moyen que je connaisse, c'est que lorsqu'on a pris une décision qui a du cœur, il faut s'y tenir. Comme mon mariage. Ou mon divorce. Ou ma décision de soutenir Huffman dans sa vieillesse. Huffman peut toujours faire la preuve, oh yeah! Attends, maman, ça veut dire que tu vas reprendre papa? Non, je vais la rejoindre pour toujours. Je peux pas dire si c'était de l'amour, un suicide ou un jeu vidéo vraiment très ennuyeux. Lisa, ton mari va bien. Aucun zombisme résiduel en tout cas. Vous êtes sûr? Regarde, je mets cette serviette juteuse devant lui. Oh, je vais m'évanouir. Bon, Jenda, je ne sais pas ce que c'est que l'amour, mais je sais ce que ça n'est pas, et nous, ça n'est pas. Oui, tu as raison. C'est pour ça que j'ai recommencé à voir Jerry sans te le dire. Eh, hey, mon pote, alors, comment ça va? Quoi? Oh, tu sais quoi, Jenda? Je suis même pas en colère, parce que je suis enfin débarrassée de toi. Sentence. Attendez, pourquoi je suis revenue? Aucun sentiment pour mon ex-femme? J'en suis certaine. Nous traitons des...
ans pour Objection. C'est un jour nouveau pour Zero Stew. Wow, je suis libre. Tiens-toi prêt, le monde. J'ai tout un nouveau jeu de bêtises à faire. Le vieux Gilles a besoin d'un coup de fouet. J'ai une mauvaise journée. Au bout de 35 ans de mariage, on a fini par trouver l'idée. Oui, même ma personnalité on peut le dire, améliorée. Oh, ça vaut bien. Aussi. Lézard, j'espère que les choses s'arrangent entre toi et Milouz. Mais sinon, je sais où tu devrais aller. Merci, mais Milouz et moi, on est dans un endroit parfait. Même depuis qu'il est plus un zombie. Non, c'est ce qui est arrivé dans tes faux souvenirs. On ne guérit jamais du zombisme. Fleur morte de Marie mort. Oh. Et j'étais un faux souvenir, moi aussi. Non, toi, tu étais réel. Oh, zut alors. La semaine prochaine, un nouvel épisode des Simpsons. Ainsi, vous n'irez pas. Lâchez-les. C'est pas ce que tu penses. J'ai dit pas le maillot. Oh, elle caramba. Une semaine. D'une fusière et tireur de bière. Nous sommes réunis parce que les consommations de nos bars sont en chute. Les barman à leur papa ne peuvent pas se mesurer aux grandes surfaces comme Goosebound ou Hook City. Mesdames, c'est le patron de l'art de l'aéroport qui vous parle. Nous subissons quelques turbulences financières. Je vous en prie, restez calme. Regardons ensemble la vidéo d'information qui va nous aider à sauver notre monde. Sentir déshydrés et invulnérables. Oui, mais c'est pas tout. Pourquoi tu n'en dis pas, grand?
Oui, d'accord, Mo. On peut créer des noms de boissons de super-héros et les faire payer double, comme Nick Fury, Agent de Schwartz, Sex en Batmobile et Volverifi. Allez, fouettez mon portfolio. Comme un cochon. Pile poil. Pile poil, tout pile. Bon, faut rentrer à la maison. Le plaisir a cessé il y a 10 heures. Oh merde, la meilleure chose à faire dans cette situation, c'est de continuer à boire. Pourquoi tu me fais ça, la divine? Je t'ai vu de toutes les sortes. Salut, Homer. Bonne journée à vous deux. Et faites pas comme moi. Que j'ai aspiré rien dans l'âme. Conseil avec ce pays, ça s'appelle pas tous Rossé, mec. Oh, classe d'art. Simpson, un peu de respect. Chaque fois que je fais de l'art, un prof bien pensant envoie mon dessin chez un psy. Faut dire que tes trucs sont bizarres. C'est comme ça, je fais pas exprès. Tu vas faire de l'art, tu vas aimer l'art et tu vas faire un objet en céramique qu'utilisera ta maman. Oh. Maggie, pourquoi t'as fait ça? Oh, je suis juste venu ramasser les ordures. Et vous allez repartir immortel. Et ramasser aussi les ordures. Exaltant. Oui, nécessaire. Oh, Milousien. Oh, bah, c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. J'ai trempé une sauterelle dans la peinture et je la laisse ramper jusqu'à ce qu'elle crève. Tu sais comment ça s'appelle? Art conceptuel média mix. Non, c'est pas ça, parce que j'ai horreur de l'art. Oh, alors c'est de l'art engagé. Cessez de m'encourager. Je vais admirer ton œuvre de loin. Wow. Oh. Shona, qu'est-ce que tu fais ici? M'entraîne pour les Olympiades. Faut que je trouve un moyen de me débarrasser de mon caractère. Facile, le vaudou. T'as une reine du vaudou à me recommander? Ah ouais, elle vit dans une caravane près de Yogurtland. Mais non, en fait, je vais en fuir quelqu'un. Qu'est-ce que ma fille a encore inventé? Maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour le vaudou. Tu veux un sac? Un papier ou plastique? Plastique? Comme la pâte de poulet après dit. Bon, tu as de l'ADN de Trench? Oui, je l'ai trouvé dans son sac à main. Comment t'as fait? Les profs d'art ont pas de bureau. Personne n'en a fait une histoire. Ah oui, chaque fois que je te complimente sur ta virilité, t'es tout bizarre. Mais tu es très viril. Ouais,